Et me revoilà de retour. Alors, là, je vais devoir arrêter parce que je pense que l'appareil, le Canon, il va commencer à chauffer. Et une fois qu'il chauffe, je peux plus enregistrer. Alors, je sais pas si je vais briller parce que juste avant, j'étais. Ouais, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'étais en train de me payer déjeuner d'huile de cannelle. Mais tout ça pour vous dire, les idées, le pouvoir des idées. J'avais pas d'idée de vidéo. Et j'ai commencé à enregistrer une vidéo et à chaque fois que j'enregistre, voilà, hop, j'ai des idées qui sautent comme ça, qui me viennent à l'esprit. Et tout ça pour dire que, tout ça pour dire et peut-être pour vous rappeler de l'évident, quelquefois il faut souligner l'évidence, c'est que quand on n'a pas d'idées, le mieux c'est de faire et d'essayer de faire et qu'en essayant de faire quelquefois, ben, on a non seulement on trouve une idée, mais encore en plus de ça, on peut trouver plusieurs idées. Et en fait, on se retrouve de bas. En fait, on part de rien et on se retrouve avec un tas de choses. Et je dirais que ces 3 dernières années, ouais, je me rends compte qu'effectivement, c'est un vrai sujet à traiter et qu'on oublie souvent, c'est que ouais, il faut faire quoi. Même si on ne sait pas comment, il faut essayer, il faut faire. Et que même en. Ouais, il faut partir de rien, il faut faire, il faut avoir l'idée. Et même si on se prend le mur, c'est pas grave, parce que même en se prenant le mur, quelquefois, on a de bonnes idées. On se retrouve avec des bonnes idées. Voilà. C'était la petite vidéo du jour, comme ça. Ouais. C'est un petit peu dans l'air du temps, je dirais. Bon, est-ce que je suis tombé dans l'air du temps? Je sais pas, mais j'étais toujours quelque part inconsciemment dans cette ère. Donc, voilà. Donc, je crois que vous avez compris où je veux en venir, et peut-être que vous avez rigolé. Et si vous avez rigolé, en fait, ça serait l'objet de cette vidéo. Rigolez bien, ça vous donnera des idées. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et comme je dis en musique, parce que la musique adoucit les mœurs, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.